Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve et on est au ruisseau de Hannover. Et puis là c'est en fait des cochons d'Inde là-bas, vous voyez, il y en a un, vous pouvez le voir de loin. En fait c'est le gros enclos des cochons d'Inde, il y en a aussi là-bas en dessous de la genre de petite maisonnette qu'on voit pas très bien. Oh, il y avait un petit bébé! Parce que là-bas, il y a comme des... C'est une petite maison pour protéger pour les prédateurs. Puis il y a des petits bébés dedans. Parce que c'est à cause du soleil. Puis là, il y en a un qui est pourri, il a disparu. Puis là-bas, il y a les petits bébés. Parce que c'est vraiment comme un petit village de cochons d'Inde, il y en a là-bas. Là, il y a comme pour les bébés, tout ça, c'est vraiment grand. Et puis là, il y a même une petite boîte aux lettres. Mais je me demande, il y en a combien? Parce que là, attendez, on va compter tous ceux-là que je vois en dehors du petit truc de bébé. Il y en a un là, il y en a un, deux, trois là, puis peut-être même peuvent genre aller sur le petit pont là-bas puis aller là-bas, mais je penserais pas parce que d'habitude ils découvrent pas tant de choses que ça. Il y a aussi des oiseaux là qui bougent dans l'eau. Puis c'est pas mal ça, j'en vois pas beaucoup avec lui. Il y en a pas vraiment beaucoup dehors. Les petites maisons sont vraiment drôles. C'est comme un paradis pour cochons d'Inde. Les flamants roses. Puis il y a aussi des intrus à terre là. Puis là en arrière il y a des gens qui peuvent passer en bateau. est littéralement entré dans l'enclos des pélicans. Ah, c'est vraiment beau. C'est drôle comment on marche. Allô, regarde le petit pied en arrière. Ils ont vraiment des gros becs. Là, on est avec les autruches, mais ils sont pas mal loin, fait que je peux pas vraiment bien prendre de photos ou de vidéos. Donc là, tantôt, j'ai essayé de vous montrer le gorille qui dormait, mais il y avait plein de personnes, puis il y avait comme la réflexion. Là, je sais pas si ça va être possible de le voir, mais il y en a dans la petite caverne. Je vais le voir en vrai, mais sérieux, avec la vidéo, c'est trop noir, je vois rien. Fait que c'est un peu dommage, mais en tout cas, il se repose tout. Là, c'est les ratons laveurs, parce que là, on est en Amérique du Nord, mais ça, en fait, c'est comme... J'ai pas besoin de venir ici pour voir ça. Il y a comme des loups, ben là, des ratons laveurs, des ours polaires. raté là, ils sont toutes là. Une photo de groupe. Partez pas, je voulais faire une photo de groupe de vous. Ils sont bien bizarres. Oh, le chien de prairie qui s'éteint. Regardez, c'est comme ça que les Allemands, en tout cas tout le monde qui habite ici, pense que ça ressemble au Canada, avec partout des barils qui n'ont aucun sens, puis qu'on a des vieux journaux, puis tout ça. Puis qu'on travaille toutes dans des mines. Puis là, regardez le drapeau du Canada. Puis les ours polaires là-bas. Puis ceux qui pensent que nos maisons ressemblent à ça, à part pour les trucs de touristes, non, on n'habite pas dans des maisons comme ça. Nos outils ressemblent pas à ça. On mange pas juste ça. Nos gourdes ne ressemblent pas à ça non plus. En fait, c'est tout comme genre dans l'ancien temps ce qu'il y a ici. Hein. Puis ça, cette maison-là, ça ressemble. C'est pas comme ça. Là. Nos maisons sont pas comme ça, mais plutôt juste les chalets. Mais nos maisons, inquiétez-vous pas, ça ressemble pas à ça. Les éléphants. Là, il y en a plus. Oh, il est pas cute lui. Allô. C'est vraiment beau ici, tous les décors. Ça met vraiment comme dans l'ambiance. Là, on est avec les kangourous, puis c'est encore un genre d'affaire qu'on peut rentrer dedans puis marcher librement. Regardez, les dessins sur le mur. Là, ah oui, puis le coq qui grimpe en haut. C'est drôle. Toutes les peintures, les dessins, c'est vraiment beau. Je sais pas trop c'est quoi ici, là. L'eau, c'est vraiment cool. Là, je suis dans le truc où on peut donner de la bouffe aux animaux, mais j'ai pas de nourriture. Puis toi, t'es venu, t'en veux? Non, j'ai pas de bouffe. J'ai pas de bouffe. Elle est folle d'ici. Allô? Non, j'ai rien. Oh, il y a un petit bébé. Caresser même si j'ai pas de bouffe. Non, j'ai rien. Pauvre petit, hein. J'ai rien. Ok, je vais partir parce que là, ils vont être full fâchés contre moi. Non, je l'ai déjà dit, j'ai rien. Oh, il est full cute, mais j'ai rien à bouffer. Non, va-t'en pas. Non! On a trouvé d'autres cochons d'Inde, yeah! Ils sont pas très actifs, puis ils restent dans leur maison. Mais les maisons sont vraiment cool. Ils ont comme tout ça. Je vais aller voir là s'il y en a plus. Là, il y en a un peu dans cette maison-là. Oh, on peut y en avoir un. Oh, t'es cute. Il y en a plein d'autres là-dedans. Puis là-bas, c'est les chefs qui m'aimaient pas vu que j'avais pas de bouffe. Il y a un chien qui est sorti. Nom 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 nom. Oh, ils sont full cute. Ça me tenterait de le caresser et de le prendre, mais je peux pas. Oh! Là, il doit en avoir plein dans sa big maison. Oh, Hello. C'est cute tout. Oh, il est full cute. Il y en a un qui arrive. Ils sont full cute. Puis lui, on voit même pas ses yeux. Il y en a plein là-dedans, on les voit pas très bien. Ils étaient là, mais ils sont partis. Je sais pas si on peut les voir. Oh, il y en a un encore. Oh! Oh! Cute! Puis lui, il revient. Je me demande combien il y en a au total parce que il y a ça, ouh, les petits pigs. Bye les pigs! Bé! Les moutons! Bé! Les gros cochons! Puis là! Wow! Ils ont peur de moi! Oh! Ils sont bien cute! Hippie! Hippie pigs! Mais... Une dernière fois avant de partir, les cochons d'Inde! Mais ceux-là là-bas, dans le zoo, ils étaient vraiment cool. Mais ici, les maisons sont plus belles, regardez. Ils sont vraiment drôles, les maisons. Ça, ça. Bye les pigs! De toute façon, j'en ai chez nous. Puis bye le zoo! Bye!